Bienvenue pour une nouvelle critique. Hello tout le monde. Je vais vous parler de fromage. Ah, le fromage. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas de bon repas sans un fromage. Le fromage. Ah, le fromage. Bien sûr que j'aime le fromage. C'est ce que j'aime le plus dans un repas. Ah oui, il y a des céréales. Mais le fromage, c'est unique. Je serais capable de vous manger tout un plateau de fromage. Mais la critique n'est pas autour du fromage. Mais d'un magasin qui existe toujours. Je me souviens avec mon papounet, mon papa, que je ne vois plus, eh bien, il était patron de bistrot. Et ce qui est dommage, c'est que bon, il n'avait pas le sens des affaires. Non. Et il aurait pu monter un truc de bien. Parce que vous savez, il y a de grands restaurants, restaurants de qualité, qui n'ont pas de bon fromage, ou pas de bon gâteau, pas de bon... Enfin, où tout est industriel, c'est vrai. Lui, il n'allait pas chercher son fromage au supermarché, non. Soit, comme il était d'origine auvergnate, il était même né en Auvergne, dans le village de Jumeaux, à côté de Brosse-à-Glimine. Eh bien, quand il allait en Auvergne, en vacances, il ramenait du fromage. Et pas qu'un petit peu. Le bleu, c'est carrément tout le... Et c'était magnifique. Magnifique. Sinon, il y avait un magasin. Et qui existe toujours. Bourseau. Le fromage est beau, Bourseau. Et mon père, il y allait. Et à chaque fois, c'était le patron. En personne, qui le recevait. Et c'était pas devant. Il arrivait, puis et on allait derrière, à l'arrière-boutique. Il nous faisait goûter les meilleurs fromages qui étaient réservés pour mon père. Et mon père avait le loisir de dire oui ou non. C'était toujours oui. Mais voilà, c'était pas donné pour ça. Je pense que si je retournerais là, je pense pas qu'il me reconnaîtrait. Déjà, j'ai des larmes en plus. Et j'ai quelques années de plus et je suis pas sûr qu'il soit encore en vie. Avec tout le respect que j'ai pour M. Bourseau. Mais voilà. Et j'ai voulu vous parler de ce fromage. Et j'ai souvent pensé, faudrait que j'y retourne. Pour avoir du bon et du vrai bon fromage. Je sais que, par exemple, pour le bleu, moi, je serais plus un papillon que... Là. J'y retournerai peut-être un jour, à savoir. Alors, à vous maintenant, si vous voulez du bon fromage, vous pouvez y aller. Je ne pourrais pas vous parler des vendeurs, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Et je pense qu'ils sont à leur retraite, ou ils ont pris le flambeau, ou ils sont plus de ce monde. C'est le terme. Bon, passons. Merci en tout cas d'avoir écouté cette critique. Et à très bientôt pour une prochaine critique. Très bientôt. Kenavo avec Jacques Grosbec.